Donc sa quête, lui, je devais aller. Le gros poisson qui est. La surface est monstre. Ok, je sais pas. Ah! Attendez, c'est un éclaireur ça, non? Oui, c'est un éclaireur, donc lui je dois pas le tuer. Non, non, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Lui je dois pas le tuer, c'est ça, hein. J'attends confirmation. Tue-le du coup, mais pourquoi? Garde-le, si tu peux. Ah, mais par contre, il faut la spammer, on peut pas laisser le clic enfoncé. Par contre, elle fait combien de dégâts? Elle fait 23 dégâts, 4% de chance de coup critique, on a moins 15% de vitesse. Ah, elle est un peu lente. Donc on pourrait la reforger. Et du coup, maintenant qu'on a tué le... Ah, il me donne des tissus. Il me faut 4 tissus pour avoir la... D'accord, c'est ça. Hein. En gros, l'éclaireur gobelin me permet de déclencher l'événement de guerre de l'invasion gobelin. Et l'invasion goblin me permet ensuite de trouver le PNJ gobelin. Ok, l'étoile tombe à l'endroit où j'ai ma souris. Très bien. Du coup, retour à la base. On va poser tout notre merdier. Bah du coup, le parachute, on en a absolument plus besoin. Le parachute, on peut virer. Ça par contre, je vais le garder. Le tissu, il faut que je l'ai sur moi. Il y a des coffres dans la merde. Déjà exploré, Renjika. Déjà exploré. C'est pour ça que là, il y a le pêcheur et qu'il a une maison. J'y suis déjà allé. Bonsoir, Orion. Alors, on va poser sa potion de brillance et met une aura de lumière. On s'en fout, ça. Donc là, moulin céleste. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans le moulin céleste? Est-ce que je peux faire quelque chose déjà? Je pense pas, hein. Pas. Déjà, j'ai posé mon or à la banque. On a 62 PO. C'est ça, les morceaux de tissu pour invoquer l'armée goblin. Ah, il faut que je crafte un truc avec 4 morceaux de tissu, c'est ça? Ok. Et du coup, alors attendez, les ailes. Ça, c'est les ailes normales. Celles-ci, elles ont plus 1 de dégâts. Ok. Je peux, dans tous les cas, virer les chaussures à points. Ah non, je peux les garder équipées. Ça, je dépose. Bon, en vrai, je peux même les vendre, les ailes, on s'en fout. On a déjà exactement les mêmes. Potion de chasse, Osef. Le trident, on n'a pas regardé, 14 de dégâts au corps à corps. C'est un grand trident ou pas? Permet de mieux se déplacer dans l'eau si équipé. Maintenez haut appuyé pour descendre plus longtemps. Okay. Non, c'est un petit. Donc, c'est naze. Les portes, pour le moment, je pose. Les bannières, on peut les poser. Bannière s'est posée, je vais poser également mes minerais. Là j'ai des ailes qu'on va vendre également. Deuxième moulin céleste, on s'en branle je pense, je peux le vendre aussi. Potion d'oiseau de nuit améliore la vision de nuit, ok. Potion d'antigravité, on vire. Potion de rappel, on vire. Bannière du soleil. Ok. Je peux rééquiper. Alors attendez, au niveau de mon équipement. Donc actuellement, j'ai équipé l'anneau de régène, qui est bien, mais pas incroyable. Les bottes de marche sur l'eau, qui sont vraiment utiles. Le fer à cheval que je garde, les ailes que je garde, et les bottes d'Hermès. Bottes d'Hermès, en fait, j'alterne avec le ferret protecteur. Mais c'est pas incroyable le ferret, en vrai. C'est juste bien parce qu'il a le plus de défense, mais je pense que j'ai même pas besoin de le garder. On va le virer pour le moment. Nuage en bouteille, ça, du coup, j'ai plus vraiment besoin. Ça je dégage, ça je dégage. Ça je vais garder, ça on va vendre. Potion de régène, on s'en fout. On s'en fout pour le moment, ça je vire. Et potion de rapidité, on s'en fout, ok. Enlève le fer à cheval. Ah mais attendez, les ailes m'empêchent de prendre du dégât de chute. Parce que c'est, les ailes me disent permet de voler et ralentit la chute. Donc je prends plus de dégâts de chute, c'est ça? D'accord, donc je comprends ce que tu voulais dire du coup, NSC. Très bien, donc je peux virer le fer à cheval.
D'accord. Mais il faut quand même, il faut que je laisse espace enfoncé par contre. Il faut que je laisse espace enfoncé. Faut maintenir la touche. Ok. Ah mais du coup le fer à cheval est quand même agréable. Qu'est-ce qu'elle vend elle? Guide des créatures de compagnie. Vous évitez de blesser les créatures quand vous êtes à... Ah ok. Grappin écureuil, accrochez-vous aux arbres comme un vrai écureuil. Fouet en cuir. Elle aime le fouet en cuir, la furie. Licence pour chat consommable autorise un chat à venir en ville. Un chat? Qu'est? Cerf-volant coil. Le cerf-volant peut s'utiliser les jours venteux. Ramenez-le avec le bouton droit. Ok, ça sert à rien. Oreille de chien. Objet de style. Et queue de chien, objet de style. Pas besoin de rester appuyé? Attends. Déjà, si je déséquipe mes ailes. Si je saute d'ici. Là, je prends du dégât. Et merci beaucoup à Bastien pour les 1 an. Merci beaucoup, Bastien. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, donc j'ai pas besoin de garder la touche enfoncée. Très bien. Merci beaucoup, Bastien. Déjà, toujours un plaisir de te regarder en stream. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Ok, donc j'ai pas besoin de garder la touche enfoncée. Très bien. Donc effectivement, le fer à cheval, ça dégage. Ok. Bon. Objectif maintenant. Qu'est-ce que je peux chercher de beau? Sympa comme on a découvert ça. Et merci beaucoup, Tessidita, qui offre un sub à Monsieur Michael. Merci beaucoup. Ah, bah du coup, ça porte l'objectif à 20. Le Daily Goal, formidable. Merci beaucoup, Tassier Sedita. Merci beaucoup à tous les subs, resubs et gift subs. Ben écoutez, monsieur, dame, il y a donc une clé pour Terraria à gagner maintenant, tout de suite. Alors attendez, une chose après l'autre. D'abord, musique. Ensuite. Hop là. Tac. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à mon stream, le tirage au sort. C'est pas simplement vous taper un message dans le chat et vous croisez les doigts. Non, ici, il faut du talent pour gagner, d'accord? Il se trouve que... il faut avoir un certain skill pour pouvoir gagner. Et le skill nécessaire, c'est le massage de boule. Si vous êtes fort au massage de boule... Vous avez plus de chances de gagner. Attendez, on va mettre une musique un petit peu plus punchy du coup. Voilà. Pour le tirage, du coup, maintenant je fais ça et je fais. Tac. Donc pour participer, c'est très simple. Vraiment très simple. C'est évidemment une blague. Bongo Boogie Marble Mill. Go. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de faire. Point d'exclamation play dans le chat à partir de maintenant. Au pire, vous faites comme les animaux du chat, les animaux habituels. Point d'exclamation play dans le chat pour participer. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous avez donc 55 secondes pour participer, messieurs, dames. Pour gagner une clé pour Terraria. Et si la personne qui gagne le jeu a déjà Terraria ou Terraria ne l'intéresse pas, je propose à la place un Darkest Dungeon. Si la personne n'est pas intéressée par Terraria. Point d'exclamation play. Point d'exclamation play. Vous êtes actuellement 72 à participer. Vingt-cinq secondes. Et du coup, attendez, je profite pour vérifier. On en est à combien sur le seul goal? Putain, ouais, ça monte vite, hein. Ça monte vite. 726 pour le seul goal. Je rappelle, à 800 subs, on fait un stream Just... non, pas Just Dance, un stream Twitch Things. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, en avant. C'est parti, on va venir se placer ici, on va regarder, on va observer tout ça. Vous êtes 82 à participer, formidable. Et c'est Yukimura qui est le plus rapide au départ. Natdebug, deuxième. QCSTI, troisième. Niflheim. Quatrième, ok, va falloir voir qui est-ce qui tombe le plus vite. C'est en... Ouh, très rapide Keiko là. Keiko, Mr. Jones, deuxième. On va donc suivre
Keiko. Mr. Jones qui a pris le chemin du milieu. Je ne sais pas qui est le plus court. Hein. Je ne sais pas qui est le plus rapide. Et Nat de Bot qui a également pris l'autre. Ah, mais coup de canon ici. Le coup de ce monstre. Ouh là 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 là. Yukimura qui est éliminé. Désolé. Le petit bonnet, par contre, ça passe pour le petit bonnet, non? Le petit bonnet, c'est passé pour le petit bonnet. Joli. Ouh, Karn. Non, Karn est tombé. Spartatouille est tombé également. Et du coup, c'est le petit bonnet qui a l'air d'être en tête. Devil Spawn, c'est le ghost. Faites pas attention. Mais là, il y a tout le monde qui se casse la gueule sur les côtés. Oh oh oh, Black Nox. Non, Black Nox, malheureusement, ça ne passera pas. En face, on a As de Pique et Tibbs. Non, il y a peut-être PMLock qui est devant. Ouais, je crois que PMLock est devant. PMLock est plus rapide. Mais tous les chemins sont différents, hein, donc on ne sait pas. Peut-être que ici c'est plus rapide. On verra. En tout cas, PMLock qui a l'air d'être bien engagé. Ouh, c'est pas passé loin de la catastrophe ici. Ouais, je crois que PMLock est largement devant. Je sais pas si quelqu'un va pouvoir le détrôner. Et les Peggle qui peuvent encore l'envoyer sur orbite. Non. Ouh, c'est pas passé loin par contre. C'est pas passé loin. Du coup, GG PMLock. PMLock premier. Est-ce que PMLock Terraria t'intéresse ou Darkest Dungeon t'intéresse? Dis-moi tout. Mister The Peak deuxième. Vitry troisième. Papineco quatrième. Topi 4, 5ème, le petit bonnet rouge, 6ème, As de Pique 7ème, Rapapoil 8ème, Lampadaire 9ème et Mr. Jones 10ème, GG. Top 10 GG. Du coup, PMLock, est-ce que Darkest Dungeon ou Terraria t'intéresse? Dis-moi tout. Du coup, Darkest, j'ai déjà Terraria. Ça marche! Ça marche, donc si tu n'as pas Darkest, tu gagnes du coup Darkest Dungeon avec un DLC, le DLC du Shieldbreaker. Donc tu vas recevoir ça en Wisp sur Twitch dans quelques instants. Juste le temps pour moi d'acheter le jeu, tac, comme ça. Et du coup, bah, merci d'avoir participé, merci beaucoup les subs, resub et gift sub. Si jamais Terraria vous intéresse, vous botte, merci Adox pour la santé. Oui, Adox de droit. Faut que j'aille chercher un truc à boire d'ailleurs. Terraria est moins cher sur Instant Gaming si jamais vous pouvez faire point d'exclamation IG. Si. Darkest Dungeon aussi est moins cher sur Instant Gaming. Il est à 5€ au lieu de 20€. Et il y a les DLC aussi qui sont dispo. Donc il y a plein de bons jeux sur Instant Gaming. Donc vous pouvez faire point d'exclamation IG, messieurs, dames. Alors attendez, du coup, il faut que je gère ça. Ça ici. Ok. Attends, hop. Ici. Comme ça. Ah, pourquoi il bug? Tac. Tac. Ok. On va mettre cet écran en attendant. Ok, ça dégage. Et du coup, PMLock, je vais te wisp de suite. Slash wisp. PMLock. Merci pour le follow. Alors, PMLock, la première clé, ce sera le jeu. Et la deuxième clé, ce sera le DLC. Tac. Et tac. Mais t'avais déjà gagné un truc en plus. Ah, début du mois, t'as gagné un truc. Ah, nice. Je sais pas ce que t'avais gagné, mais nice. Très bien. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je vais couper. Elle est où ma souris? J'ai perdu ma souris. Oh, plus de souris. Allô? Ah si, c'est bon. Je ferme ça. Je coupe la musique. Je vous remets l'écran du jeu. Et on continue notre aventure Terraria. Hop. Et hop. Voilà. Il est où Terraria? Il est là. Ok, on en était où? Ah, t'as eu Age of Empire 2, ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on farm? Qu'est-ce qu'on va chercher là maintenant? Qu'est-ce qui est intéressant à aller chercher? À part fouiller les sous-sols. Bonjour Cool Zero.
Ok, Pemlock. Bah, nice. Tu t'aimais bien sur mon stream, Hugo. Ah oui, je voulais faire le truc des torches. Le truc des 100 torches. Donc là, l'objectif, c'est je dois poser 100 torches à un endroit, c'est ça. Hein. Et en fait, il faut que je fasse ça pour avoir les bonnes torches. Ouais. Donc il faut que je me trouve une petite cave sympa pour poser des torches. Où est-ce que je peux faire ça? Ici à gauche, peut-être? Ici dedans, hein, je pense. Bon. Non, remonte! Oui. Donc, j'en ai à peu près 200, les torches. C'est quoi la distance nécessaire pour que ça fonctionne entre les torches? Ok, j'en ai posé 70. Bon, là, elles sont très serrées, donc je pense que c'est bon au niveau de l'écartement. Ah quoi, quoi, quoi? Quoi? Pardon! Mais c'est quoi cette connerie? Mais c'est nul! Quoi? Et pourquoi vous m'avez dit de faire cette merde? Pourquoi est-ce qu'on me tanne pour faire cette merde depuis le début? Mais c'est nul! Get pranked. Mais c'est nul! Ah, c'est complètement éclaté. Bon, bah, tant pis, hein. Du coup, non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 99 bombes sur moi. Allez, je voulais vendre un peu de merdier. Nous allons essayer de déclencher une chute de météore. Ça vaut combien? Oh, ça vaut rien, en fait, les ailes. Ok. Et ça, ça vaut quelque chose? Un d'or, quand même. Ok. On va essayer de déclencher la chute d'un météore. Donc, on va poser ça. J'ai des explosifs sur moi. Nous allons aller dans le karma. Si tu survis, tu gagnes quelque chose. Mais comment tu fais pour survivre? Et là, si je retourne aux torches, elles sont toujours agressives ou... ou c'est fini? Ah, faut faire une grande cave, ok. Info chat. Mais est-ce que l'info chat n'est pas une info chat aussi ici? Quasiment plus de torches moi avec ces conneries. Donc ici nous sommes dans la corruption, qui s'appelle en l'occurrence le carmin. La corruption c'est la même chose mais en violet il n'y en a pas sur cette map. Qui est une zone que je peux pas miner. Mais qu'on peut exploser avec des bombes. Qui pour le moment, bon bah c'est les mobs sont très agressifs etc. Mais qui pour le moment ne font rien de qui ne fait rien de spécial. Et dès le moment où j'aurai activé le hard mode, c'est-à-dire dès que j'aurai tué le monde, le mur de chair, commencera à se répandre. Et donc... Ouh, la grosse cave. Et donc, il y a un boss dans ce... dans le karma. Qu'on ne va pas chercher maintenant. Mais en gros, vous voyez ces sphères-là. Ils sont des cœurs. Si je les expose à la bombe, eh bien, ça peut... Déjà, ça va me dropper du stuff qui peut être intéressant. Et en plus... ça peut déclencher une chute de météorites. Donc on va très clairement en péter 2. Et si j'en pète 3, ça fait spawner le boss. Donc pour le moment, hein, on va en péter que 2. Quitte au pire à mourir, et c'est pas très grave. Mais... voilà, donc un frisson vous parcourt le dos. Nous avons le croque-mort. Qu'on a déjà. Bah c'est l'arme du coup que j'ai pu récupérer de mon... de ma save, mais le croque-mort on a déjà. Mais au moins on a récupéré des balles. Aïe 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 aïe. D'après Tarlouse en 1.4 ça marche plus de faire spawn le météore. Ah d'accord, ok. Bon bah tant pis, je peux récupérer du stuff quand même. Autant... tant que je suis là, autant le faire. Voilà. Ah j'ai eu un cœur carmin, c'est quoi ça du coup?
peut s'équiper, invoque un cœur pour donner de la lumière. Ah, c'est cool ça. Très cool même. Et j'ai eu les vertèbres. Alors les vertèbres, c'est pour faire des armures d'os, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est pas le meilleur moyen de les farmer, les vertèbres. Donc là, j'en ai pété deux, j'en pète pas un de plus. Hein. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le truc qui me permet d'invoquer le cœur, je vais le dropper ici, parce que j'ai pas besoin de le garder sur moi pour que le cœur soit là. Tu peux mettre ce cœur dans l'emplacement prévu à cet effet dans ton stuff à droite. Ah! Attends. D'accord. Ok, ok. Très bien. Merci. J'avais pas. Vertèbre pour... Ah, c'est pour invoquer le boss, les vertèbres. Ok. Il me semblait que c'était pour une armure d'os. Du coup, ça, je dépose le croque-mort désagréable. Il est sympa. Je vais poser ça, poser ça. Bloc de pierre du karma, on s'en fout. Le miroir revient ici. J'ai des potions de spéléo. Donc, on va continuer de... Ah, j'ai aussi une place pour le requin. Attends, faut le retrouver, le requin. Après, le requin, il sert à rien, au pire. Du coup, le cœur spawnera en même temps que toi dès que tu mourras. Ça évite de l'invoquer. Ah, excellent. Très bien. Ouais, on va continuer d'explorer, mais je voulais... J'avais des popos de spéléo. Je ferai de l'ord hors stream. La potion d'extraction, je vais les prendre. Et potion de rappel, non. Potion de spéléo... Marcher sur l'eau. Vous criez, hein, si vous les voyez. Mais c'est moi ou le micro, il a un son bizarre, là. Donc, marcher sur l'eau, c'est pas ici. Invitation, rappel. Milieu tout à droite, des popos. Bien vu, merci. Je les avais pourvus. Et donc, bah, on va descendre, on va continuer de descendre. On était presque aux enfers, ici. Après, ici, on avait un minecart, mais bon, on peut pas y retourner pour le moment. Mais on va redescendre ici en bas. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais accélérer un petit peu. Je vais continuer ma descente en ligne droite. Oh, sérieux, étoile d'araignée, là ? Ah, elle est relou. On va juste continuer à descendre en ligne droite, comme ça on descendra plus vite jusqu'aux enfers. Les enfers qui sont galères. Hein. Déjà en normal, les enfers c'est galère. Donc j'imagine même pas en hard. Ok. Est-ce que je suis bien droit? Là je suis bien droit. Ah putain, c'est chiant les épées, oui, on peut pas laisser le clic gauche enfoncé. Hop, voilà. Je suis bien en face? Je crois, hein. Ouais, je suis bien en face, parfait. Du coup, le cœur... Ouais, non, j'ai vu. J'ai vu ça. Ah, attendez, il y a une fée. Il y a une petite fée, bonjour. Je viens avec toi. Non! J'ai tué la fée ou je rêve? Attends, pourquoi elle reste collée à moi? Pourquoi elle reste collée à moi? C'est une fée spéciale celle-là? Elle bougera dès qu'il y aura un coffre. Ah d'accord, ok, elle spawn pas quand il y a un coffre, c'est juste qu'elle bouge quand il y a un coffre, d'accord. Donc j'ai pas besoin de claquer ma popo de spéléo tout de suite, ok. Une carte qu'on a déjà exploré. Donc on continue à descendre. Je vais prendre une potion de minage par contre. Est-ce qu'elle va me tomber sur la gueule? Ah c'est bon, on a une grotte ici.
vraiment chaud hein, le hard mode. Hein. C'est... Enfin, même pas le hard mode. Le... Parce qu'on est même pas en... on a même pas encore activé le hard mode. Ah! C'est qui? C'est. C'est une nymphe. Vous allez me dire qu'il faut pas que je la tue, c'est ça? Ok, je suis en sécurité. La nymphe. S'il faut la tuer, ok. Ça va être long, elle a des milliards de PV. Hein. 900 PV. Ah mais c'est autant que Cthulhu. Non, Cthulhu avait 4000 PV, non. Quoi, qu'est-ce qu'il touche? Saloperie. J'ai plus de vie. Je peux pas me heal. 7 secondes avant le heal. Okay, je vais healer comme ça en fait. Moi je peux y aller comme ça aussi. Coucou. Non. Ok c'est bon, je vais prendre un pote. Merde par contre c'est... Videlo, non c'est bon. Reviens, reviens la nymphe. Ça doit être pas mal là. Ça fait zéro dégâts. Ouais. Merde. Vas-y, tombe le boulet. Encore un tout petit peu. Ah. Ah si, voilà. Si elle se met du bon côté, ça passe. Non mais là, il s'éteint à cause de l'eau. Allez, viens, nymphe. Voilà, là c'est pas mal. Ok, elle va repartir. Ça c'est l'IA, elle va repartir de l'autre côté dans un petit moment. Non? Ok, c'est pas grave. Comme ça, ensuite. Fais-y un bisou. Parfait. Nickel. Elle a combien? 68 et elle brûle. Elle est morte. Elle m'a droppé un détecteur de métaux. Ouh. Détecteur de métaux. Peut s'équiper matériaux. Affiche les minerais les plus précieux. Oh, c'est fort ça. Et plus 4 de défense en plus. Excellent. C'est quoi sa portée par contre? Parce que là, il n'y a rien qui s'affiche. Et là, j'ai enlevé le 1 de défense. Par contre, la fée, elle a vu quelque chose. Ah, 20 PO aussi? Combien? Pas mal. Ça s'affiche à droite. Dans les données sous la carte. Ah oui, d'accord. Coffre détecté à proximité. Aucune créature. Ah, d'accord, ok. C'est pas... Ils se mettent à briller comme les popos ou quoi que ce soit. Ok. Alors, est-ce que la fée est partie ou est-ce qu'elle est juste allée en direction du coffre? Elle s'est juste barrée, je crois, non? Il est là, le coffre. Ouais, donc la fée s'est barrée. qui trouve pas de fer à cheval depuis des dizaines d'heures de jeu? Moi c'est seulement mon deuxième. Or détecté, fille perdue. J'ai une fille perdue pas loin. Alors c'est quoi la portée par contre? Askamitsu. C'est quoi la portée? Ah ok, attendez, aucune créature. Non, nouveau, aucune créature, elle s'est barrée. J'ai perdu un stade du mob avant de devenir une nymphe. Ah d'accord, ok. Et du coup, est-ce qu'elle se balade et donc je suis hors range ou elle a juste des pop? Non mais...
Mine, bordel. Merci. Vers l'eau. Ça, j'ai exploré, oui. Non, là, j'ai plus rien. Non, elle a du dépop, je pense. Je devrais retourner à ta maison pour ce qui est TP. Ouais, ouais, ouais. Je mine mon or et je fais ça. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ok. On va poser tout le merdier. Potion de rappel aux F. Potion d'invisibilité aux F. L'œil. Et on peut invoquer quoi, 4 ou 5 Cthulhu, hein, au moins. En fait, attendez, je peux faire ça. Voilà. Stocker l'or ici dedans. J'ai mes potions de spéléo, ma potion d'extraction. Ok, on peut y retourner. Ok, là il y a du kermitan qui était détecté. Il y a moyen de complètement arrêter la génération de la étoile d'araignée là? Ou peut-être pas, je sais pas. Si j'enlève toute l'étoile d'araignée. Ah, faut que je casse le mur. Quoi, il y a des murs spéciaux de toi le dernier? Ça sert à rien. Alors, ce que je peux faire par contre, je peux faire éventuellement ça. Peut-être que ça va stopper la génération. Ah, c'est le mur du fond qui génère. Ah, d'accord, ok, ok, ok. Allez, on continue de descendre. Toi, le dernier, je sais pas, mais les biomes corrompus, tu peux les arrêter avec le tournesol. Ouais, ça je sais, ouais. Et fuck, mon chemin il est décalé. Nick, m'en fous, moi je vais descendre vite. Elle fait plaisir l'épée, hein, quand même. C'est pas encore transcendant, mais elle fait quand même plaisir. Aïe 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 aïe, je peux pas m'approcher, c'est bon. Putain, j'ai pris cher. Je suis empoisonné en plus. Non, il m'a. C'est vrai qu'il lance des trucs, c'est con. Non, restez où vous êtes. Parfait. Mais bon. Aligne. Ah, aligne-toi. Ok, parfait. Ah, coffre détecté à proximité. Ok, bon, je vais claquer une pote. Coffre détecté à proximité. Si où? Et une fille perdue encore. Ça a pas l'air d'être par là. Ah, aucune créature. Coffre, ok, c'est plus sur la droite du coup. Là-haut. Ah! J'ai pas vu ce qui m'a touché, mais il y a un truc qui m'a touché. Il y a une chauve-souris. Non, c'est le mur du fond. Ah oui, les bombes s'enlèvent le mur du fond, c'est ça? Bon, je me ferai un marteau. C'est pas... Là, c'est vraiment un détail, hein, les bombes. C'est... Je pourrais accélérer un petit peu le merdier, mais... C'est une maison. C'est une maison.
Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? C'est le talent. C'est le talent. En 3 fer à cheval, je sais pas ce que je vais en faire, mais je peux bientôt refaire un cheval. Hein. Cassez-vous! Merci. Elles font du dégât, les étoiles. Hein. Ah ouais, non, mais elles sont vraiment nazes, les ailes, par contre. T'as le cul bordé de nouilles. C'est du talent, Actares. Arrête! Oh, merde, hein. Depuis le temps, vous devriez le savoir. J'ai plus de pote de minage. Oui, ça fait seulement 3, Tarlouz. Seulement 3. Ça va. Alors, il n'y a pas de coffre pour le moment à porter. Hop, hop, hop. Salut, toi. Elle a pas beaucoup de knockback, par contre, l'épée, hein. Il faudrait que je la respecte parce qu'elle a aussi le vitesse diminuée. Ok, c'est bon. No Hate Willy. Ah, il y a une créature bizarre pas loin. No Hate Willy, qu'est-ce que c'est que ça? Bah je crois qu'il est mort. Il y a eu un bruit de splotch. Il a disparu à ce moment. Eh, il y a des araignées. Ah. Je vais crever. Je suis sous-cédé pour l'huile. Je vais die. Voilà. Perdu de PO. Merde. Bon, c'est pas grave. Là, on a une ligne directe pour revenir. Mais j'aimerais bien autre chose. J'en ai plein le cul, moi, des fers à cheval. Craft l'item pour invoquer le roi des slims. Comment je fais ça? J'ai posé potion d'oiseau de nuit, potion de rappel Osef, ça Osef, potion de spéléo je garde. Corde, je vire, bloc de vase, je vire, minerai de cuivre, je vais poser. Ça, je pose. Montrer la gelée au guide. Bombe de terre collante. Bâton lumineux. Potion de soin. Ah, je peux faire des potions de soin avec. Déjà, ça c'est cool. Bloc d'asphalte, bloc de gelée. Jolie couronnée. Il me faut. J'ai looté une couronne en or? Une couronne en platine? Ah, je dois pouvoir la crafter. On va faire ça. Soon. D'abord, je vais récupérer et je vais continuer de descendre. Récupérer mon argent et continuer de descendre. Ah sérieux, je m'étais planté. Ah nul. Là, tout de suite, j'ai la flemme. Comme ça, et on continue de descendre. Ah, mais ça, ouais, ça va. Je me suis vraiment pas porté de beaucoup. Non! C'est bon. Or détecté, aucune créature. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre par mon chemin existant, là. On va voir si on trouve du loot. Si mon indicateur de loot me donne du loot. Coffre détecté à proximité. Ah, par contre, la distance est peut-être un peu longue pour que ce soit facile à repérer.
Du coup, on va reclaquer une potion de vision, potion de spéléo. Ah bah, oh putain, on n'était pas loin. Par contre, ça sent clairement le coffre piégé, hein. Ouais, quoi que. Ah mais il était vide, je l'avais déjà looté. Merde, je l'avais déjà looté, j'avais pas ramassé le coffre. Tant pis. Du coup, or détecté. Carmitane. Carmitane. On va continuer par là. Vous criez si vous voyez que c'est pas ce coffre, hein. J'ai d'autres choses à regarder aussi en même temps. Coffre détecté, trouvé. Une statue là-bas. T'as chopé la monture gelée ? Je connais pas ça. Avant que ce soit comme le slime, on peut monter le slime aussi, il me semble. Attendez, or, je suis trop loin là. Voilà, coffre. Putain, non. Oh, merde, j'ai pressé H au même moment. Fuck! Ah, le slime, ok, ouais. Dépose la potion de gravitation, les bombes en su. Ah, non, je les avais virées les bombes. Ok. Garde ça du coup. Ça, on peut virer. Ça, je peux les verrouiller aussi. Hop, hop. Ça et ça, je verrouille. Coffre, je pose. Ça, je pose. Ça, je pose. Et on redescend. Les arbres que tu vois dans les souterrains casselés, c'est des arbres à joyaux. Ah, d'accord. Quelque part, on s'en fout pour le moment. Je vais aller retrouver mon coffre. Ah, mais du coup, ma potion est gaspillée. Fuck, il est là. Je l'ai vu. Vas-y, viens, viens, je t'attends. Okay. Il brûle pas là. Oui, il brûle la lave. Hein, si il perce de la lave. Cela, ouais, il a pris un petit peu. Il fonce droit sur nous. Il meurt. Je suis mort où moi? Je suis mort plus bas encore. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Putain! Vortex de merdier. Non, t'arrêtes. C'est par là que je suis mort, donc j'ai dû récupérer mon nom. Ouais, c'est bon, un d'or. J'ai récupéré mes... Ouais, pas tout. Il y a peut-être pas tout. C'est pas grave. Donc on avait un coffre qui était détecté, mais plus bas. Ouais, donc c'est... Ouais, ouais, là je suis à la limite. Donc il est en dessous, sur la gauche. Donc on va aller par là-bas. Là, par contre, va vraiment falloir avoir l'œil parce que bah, j'ai plus de potions. Ah, mais il y a une maison. C'est bon, je la vois, il y a une maison. Allez, meurs. Encore un anneau de régène. On l'a déjà en plus en version difficile. On avait chopé quoi comme popo? Rappel. Oiseau de nuit. Nul, ok. Ça, c'est de l'or, hein. Ou c'est... Non. Non, c'est du cuivre. Osef. Trucs qui vont tomber dessus.
toujours. Il y a un slime qui brûle en bas. Il y a une fille perdue pas loin. Aïe. Cristal de santé. Ok, il y a un cœur pas loin aussi. C'est vraiment pratique cette... cet objet de loot là. Ok, j'ai trouvé le cœur, il est en dessous de moi. Ok, le cœur c'est bon, il n'y a plus de coffre. Il n'y a pas de coffre. Continue de descendre. Hein. On est à quelle altitude là? Presque au plus bas, bah presque les enfers en vrai. Je suis sur le wiki et je vois tous les accessoires et les crafts avec. Il y en a trop. Avec quoi? Ouais. Il y a de l'or à gauche. Contact à la lave, c'est compliqué. Oh, pardon. Par contre, on peut associer les accessoires. Oui, mais... Ah oui, oui, mais il faut que j'ai le... les gobelins, donc il me faut l'armée gobelin. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Les deux gobelins que j'ai trouvés, les deux scouts gobelins qu'on a vus, étaient vers le lac, vers l'océan. Est-ce qu'il y a plus de scouts gobelins là-bas, peut-être? Attends, il n'y avait pas un truc? Non. Ah, il spawn que là-bas. Ah, d'accord, ok. Bah, on va y retourner alors. On va y retourner. Donc, dans l'ordre. Là, j'explore encore un petit peu. On va essayer de ne pas mourir hein, parce que j'ai quoi? J'ai 3 PO sur moi. Ensuite, on fait le roi des slimes. Et ensuite, on va aller explorer... Hop, 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 lanceur de couteau. Et ensuite, on va aller chercher des gobelins. Toujours pas de coffre. Ok. Avec un or en or et des flèches de feu, tu peux le faire, l'œil de Cthulhu. Un arc en or, je suppose, tu veux dire. Oui, je dois... en vrai, il doit se faire, c'est vrai, certainement. Mais il est vénère. Il est vénère. Donc, mais oui, il doit pouvoir se faire. Surtout que là, j'ai encore trouvé de l'armure, donc c'est... Je pense qu'on est pas mal. Et l'œil de Cthulhu, ça me donne la carmitane. Et pour faire fondre la carmitane... Non, la carmitane, je peux la faire fondre chez moi. Hein. Ou il faut que j'aille sur une forge de... Non, c'est quoi qui me touche? Ok, salut toi. Salut, vieille branche. Oui, il faut que j'aille sur une forge de la... du carmin. Four basique suffit, ok. Coffre à porter ici. Sifton, le marchand ambulant est arrivé. Nice. On va aller lui dire bonjour. Ok, on est officiellement aux enfers. Actuellement, on n'a absolument pas le stuff pour les enfers, déjà que le sol brûle. Donc, on va pas pouvoir marcher sur grand chose. Oula, il y a de la lave qui coule. Quoi? Pourquoi tout d'un coup il y a. Ah, hein? Pourquoi il y a de la lave qui s'est mis à couler d'un coup là? C'est un bug de génération ou qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, nous n'avons pas le niveau actuellement. Donc. Ah, il y avait un piège. Ok. Donc. Ah, j'ai trouvé un trident aussi. Ah non, c'est pardon, ça, je suis dans le coffre. Nous allons vider le merdier. Potion de rappel, Osef. Tac, tac. Minerai de cuivre. Oui, non, mais j'oublie que j'ai ce bouton que. Pile rapide. Parfait. Très bien. Donc, maintenant, il me faut. On va faire les lingots que j'ai. Il me faut une couronne. Et il faut que j'aille voir le marchand ambulant aussi. Donc j'y suis. Salut Billy. Salut Billy. Une truelle.
Augmente la vitesse de placement des tuiles. Ok, Osef. Détecteur d'organismes vivants, j'en ai déjà un. Mur de runes. Ok. Crochet d'extension. On peut s'équiper. Matériaux. Augmente le placement des blocs et la portée des outils de 3. C'est utile ça ou pas? Un fez. Ouais, pas de fez. Ah, c'est les nouveaux pièges de la 1.4. D'accord. Bon, ça va. La lave, elle est assez visqueuse. Donc, elle met du temps à tomber. Pour avoir de la distance, je te conseille vraiment un sceptre que tu craftes avec les gemmes. En distance, je peux utiliser les étoiles de la furie étoilée. Et le boomerang. Attendez, qu'est-ce que je cherchais? Oui, lingots. Lingots. Faisons fondre tous nos lingots. Lingots d'or. Là. Autre lingot encore. Non, je crois qu'on est bon. Est-ce que je peux faire une couronne? Je ne crois pas. Donc on va prendre l'or avec nous. Et on va aller parler au guide. Comment je fais une couronne, cher ami? C'est quoi ça? Sceptre de Flix. Ah oui, ok. Comment est-ce que je fais une couronne? Là. Couronne, il me faut un rubis. Rubis! J'ai pas de rubis? Ah, j'ai pas de rubis! Oh non, j'ai pas de rubis! Sérieux? Ah, c'est pas follow. Donc, faut que j'aille couper les arbres, c'est ça, hein? J'aille couper les arbres en souterrain pour trouver un rubis. Ou d'abord, on peut. Ouais, on va d'abord aller chercher les scouts. Les scouts pour le. Pour l'armée gobeline. Donc vous dites il spawn vraiment que là-bas, c'est pas un biome désert qui est proche du... Non, c'est vraiment il spawn que vers l'océan, le biome océan. Dans les deux tiers extérieurs. Ah ok d'accord, c'est pas le biome océan, c'est deux tiers extérieurs il spawn. Ok. Et il spawn que la nuit ou pas? Tout le temps, ok. Donc actuellement des tissus j'en ai un. C'est moi ou t'as un petit cul tout rose qui te suit? Oui c'est ça, c'est un cœur, c'est pas un cul, c'est un cœur. Après étant donné que le design des cœurs a été basé sur une silhouette de cul, oui c'est un peu pareil. Qu'est-ce qui est rare? Ah, le scout est rare. Ah, merde. Je vais partir là-bas. Je vais aller voir mon pêcheur. Et je vais vérifier deux secondes parce qu'il y a le chat qui veut sortir, qui tape à la fenêtre. Oui. J'amuse. Pour rectifier le chat, c'est que la journée que tu peux trouver les gobelins. Ok, d'accord. Oui, le chat, je vais te sortir. Je vais te sortir. Ah putain, je comprenais pas ce que c'était. C'était juste un arbre en fait. Je croyais qu'il y avait un PNJ bizarre. Il n'y a rien de bien à loot hein, dans le carmin, à part le péter les cœurs. On est d'accord? Oui, le chat! Attends deux secondes!
En master, chez Mayu. C'est ça le nom, je crois. La dernière difficulté. Ok, je vais mettre là, je vais m'enfermer et je vais ouvrir au chat. De toute façon, faut qu'on attende pour qu'il spawn. Allez dehors. Allez dehors. Allez. Là, j'en profite du coup, vu qu'on doit attendre. Il y en a qui sont pas forcément là quand on joue à d'autres jeux et qu'il y a beaucoup de monde actuellement sur Terraria. Je vais vous montrer un petit peu. Pendant le mois de décembre, je vais vous faire plein de concours, messieurs dames. Enfin, je vais vous faire un gros concours sur le mois de décembre et il y aura plein de choses à gagner. Il n'y a pas encore tout, mais en gros, pendant le mois de décembre, voilà. Je vais vous faire gagner moult choses. J'ai le jeu sous les yeux. Hein. Notamment, il y aura un casque Turtle Beach sans fil Stealth 600 Gen 2 à gagner. Il y aura un casque SteelSeries Turtle Beach pardon, Elite Atlas Aero sans fil à gagner. Il y aura un Rocket Hello Stéréo, donc ça c'est un filaire à gagner. Il y aura un Rocket Hello 7.1R, donc c'est le même qu'avant, mais en sans fil, à gagner. Et il y aura également, entre autres, hein, je vais encore tout, mais entre autres, un clavier Rocket Vulcan Pro à gagner. Donc tout ça, ce sera gagné pendant le mois de décembre. Il faut que j'aille faire les courses demain. Je vais aller faire les courses pour justement organiser le concours, pour toutes les choses qu'il faut pour organiser le concours. Et du coup, tout ça sera gagné pendant le mois de décembre. Ça, plus des jeux, plus moult merdier également. Donc voilà. Tout ça, ce sera gagné pendant le mois de décembre. Pour Noël. Et je suis en train, justement, on a discuté avec Yao, justement, pour vous organiser quelque chose de fort sympathique pour tout ça. T'as déjà testé des casques sans fil, j'ai peur que la qualité soit bof. La qualité de ceux-là, elle est top, Loïc. Vraiment, la qualité est top. En gros, en fait, t'as un dongle USB à plugger. Et pourquoi est-ce que j'utilise un casque filaire au lieu d'un sans fil? Parce qu'en fait, pour le stream, j'ai un PC de stream, un PC de jeu, et du coup, j'ai une table de mix. Et donc, j'ai besoin d'un filaire parce que je peux pas plugger des sans fil sur la table de mix. C'est pour ça que j'utilise un casque filaire, mais sinon, j'utiliserais volontiers un casque sans fil. La qualité, elle est nickel. Tu vois absolument pas la différence, Luc. Enfin, tu vois pas la différence par rapport à un casque normal, mais là, après, si hein, le casque est pourri, le casque est pourri, le son est pourri. Mais là, c'est des casques de qualité. Là, il y a à peu près... il y a pour 800 euros de lot à peu près. Les casques ils vont entre 100 et 200 euros pièce. Il y a juste le Hello filaire qui est à 80 euros je crois. Sinon ils sont entre 100 et 200 euros les casques. Et le clavier vaut 160 euros. Voilà.